Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série consacrée à Naples, dans le but de faire entrer Naples dans le cercle des grandes puissances afin d'obtenir le succès, pas que des pizzas. À la fin de l'épisode et de notre guerre victorieuse contre Venise, où nous avons pu récupérer deux provinces avec un assez bon niveau de développement, l'Espagne s'est dit bah c'est parti. Appelons Naples dans une guerre contre le Maroc. Clairement, je pense... Je sais pas si je dois accepter ou pas, parce que... Les rivaux de la France, c'est l'Ottoman. Bon, déjà, ils vont pas s'allier, c'est une bonne chose. La seconde... L'Espagne a comme rival... L'Angleterre, Venise... Ouais, pas pour longtemps... Je vais voir qui rejoint la guerre. Là, visiblement, le Maroc forcément l'a rejoint. Contre Castille et Aragon. Et Grenade... Ah, Tunis n'a pas rejoint. Tunis n'a pas rejoint. Oui, diplomatique. On va accepter. On va accepter. C'est pas grave. On va refaire les impôts de guerre, comme ça, ça va un peu alléger notre économie. Et on va en profiter surtout de la gratuité. Bon, je pense qu'ils n'ont pas spécialement besoin de nous, hein, honnêtement. Ils ont combien de... Ah! Ah! Bah oui, c'est vrai. Exact! Modif d'impôt, comme on est en croisade, morale terrestre, vitesse des réserves... vitesse des modifs de réserve nationale, plus 30, prestige annuel, influence sur le pape. Magnifique. Et là, maintenant, on a fait une mission qui était accroître nos revenus. Et ça nous donne... On va le garder sous le coude. On gagne combien pas? On gagne de l'argent, c'est magnifique. Très bien. Bon, je pense que là, évidemment, c'est bien ce que je pensais. Ça passe pas. Je vais. Le Maroc va bien évidemment me tomber dessus. Hein. C'est normal. J'aurais fait la même chose. Ils ont combien de troupes les Marocains? Non, pardon. 19 000 troupes. Ok. Ok, ils ont des troupes. Faut juste attendre que ça tombe. Là par contre on va prendre de la dévastation monstre. Mais ils vont peut-être se taper mes rebelles avec un peu de chance. On verra bien. Alors, on a sorti notre flotte. Alors Milan, tu m'as énormément servi. Et ce n'est pas un troll. On a de l'expansion agressive quand même. L'expansion agressive ça donne quoi? De moi. Ouais, bon. Pas les alliés, les pays outragés. Voilà. Et ça, on va en profiter. Je veux ça. Je veux... Aucune province limitrope. Et, je prends Venise même si je pourrais jamais le prendre. Voilà, très bien. Ok, ça c'est bien, c'est fait. Notre théologien est mort. Il serait pas temps. On va rien faire ici. Prestige annuel, réduction de l'inflation, modification du coût de la stabilité. Non. Ici, réputation diplo. Ça peut nous être utile, surtout vu notre légitimité. Ou autrement... Ok, mais on est dans un arbre vraiment diplomatique... Je vais prendre prestige annuel plus 1, allez, vendu. On peut peut-être faire de nouveaux états, parce que je pense que ça, oui, ça va être un état assez monstrueux. Ouais, on augmente, mais à petits pas, mais on va y arriver. De toute façon, on n'est même pas au 16e siècle encore, donc c'est très bien. Alors, ici, voilà. Parce que là, je suppose que... Au niveau de la flotte, qu'est-ce que ça donne chez eux? C'est... Oui, bon, en fait, on peut se balader tranquille, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Hop. Bien. Ah, oui.
Et ce que je vais faire, si je me bats bien, l'Espagne va peut-être me récompenser. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance, elle va me récompenser parce que je veux que... Non, ça, je dis que ça c'est important pour moi, ça c'est important pour moi, ça c'est important, ça c'est vital, vite. Je commence. Vital, 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 vital. Voilà, tout ça je le veux. Et ça aussi, tant qu'à faire. Ça c'est vital pour moi, clairement ça je le veux, ça je le veux, Venise je te veux, Pise je te veux. Ça j'ai dit que c'était vital et de toute façon on a des corps dessus. C'est bon. Le Portugal demande... Oui le Portugal, oui j'accepte. Tu peux passer, je vois pas pourquoi tu veux passer par chez moi. Mais passe. Au niveau maintenant de notre limite de force, on a dû un peu augmenter quand même. Oui, 1. Jamais que rien. On va faire... Cette province ne permet pas le développement. Mais nanana. Ok. Pas grave. On va se mettre au Baléar. Là, tout est en train... Notre roi est vraiment bon hein, quand même. Bah, je veux dire, même s'il attaque dans des montagnes en traversant un fleuve... Avec de la grêle, ça passerait même. Par contre, ce que je me souviens pas si... Ouais, on est leur seul allié en fait. Si je lui dis que ça c'est pour moi, il aura la présence d'esprit de me le donner. J'espère. On va vraiment essayer de se battre. Allez, reviens à la vie, toi. On va peut-être faire une troupe supplémentaire à ce niveau-là. Niveau 24, ouais, ben encore un piéton, hein, de toute façon. Hop là. Mais il faut que je... Alors, je vais améliorer même mes relations avec eux. Hop là. Je vous aime, les Castillans. Bon, alliance honorée, ouais, ça devrait le faire quand même. Ça devrait plus que le faire. Bon, par contre, on va vraiment... Bon, après, on peut... Il n'y a pas tant d'agitation que ça, à ce que je vois. Hein, parce qu'il y a une tolérance. Troupe de notre parti. Ok. Bon, après, on est en train de... Ça, de toute façon, au pire, on fera ça à coup de répression implacable. Ça va être marrant. Ça serait dans 9 ans, oui, on aura le temps, et au pire... Au pire, ça passe largement. Voilà, allez, fais tout le tour de la Méditerranée. Le faire revenir. Donc maintenant, toi, tu vas peut-être améliorer tes relations avec la France. S'il te plaît, merci. Je pense qu'au niveau dévastation, on a pris quand même cher, non? 16, bon, ça c'est pas nous, on s'en fout. Ouais, il y en a quand même de la dévastation. Voilà. Bon, là ça va. Ça c'est de la dévastation. Dans 15 ans, normalement, les États italiens font sécession et là, ça va être une autre danse. Ah oui, 25 000 troupes marocaines et grenadines. Ah oui, du coup, ils ont perdu. On peut pas leur dire... Non. Non, ça te gêne pas qu'ils pillent ma région, par contre. Ils sont quel tech, les marocains? Tech 5 et on est tech 6. Ok, marocains, c'est nos ennemis maintenant, ils ont du moral quand même. J'aimerais vraiment bien, en plus là on va bientôt passer de technologie, je viens de voir. Ouais bon, on est vraiment en avance hein, niveau tech. Hein. Ah, peut-être renforcer le gouvernement. Pff, c'est vraiment perdre 10 points alors que notre monarque, non, ça sert à rien. On développera le pays le temps voulu.
Mais vous voulez pas traverser les gens? S'il vous plaît, traversez. Je suis en train de prendre cher ici. Bon là ça passe. Oui, il est clair, un soutien administratif. Moins 20. Oui, carrément. Hop. Comme ça, on peut prendre. On est en avance. On peut prendre ça. Hop. Il lui fait un missionnaire. Et après, il n'en faudra plus que deux. Et ça passera. Très bien. Je vais vraiment attendre avant de convertir. Je n'ai pas envie de payer une personne spécialement pour ça. Oh non! Non! J'ai perdu mon super général. Bon, qu'est-ce qu'ils font là? On peut pas leur dire de... Vous avez des transports là ou pas? 8 transports. On va mettre une troupe là-dedans et on va voir ce qui va se passer. Ça ne vous dérange pas que mes provinces se fassent totalement ruiner? Non? Help! S'il vous plaît. Aidez-moi quand même! Je peux même pas leur donner d'ordre. Oui, pas en guerre contre Naples, mais... Ah! Si, je peux. Castille. Et là, toi, Aragon. Ok? Tu comprends ça? Mais le problème, c'est que le Maroc est également en guerre contre le... Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Le Maroc était également en guerre contre le... comment ça s'appelle? Le Portugal. Et du coup, bah, ils ont ce fort-là et du coup, personne ne peut passer. Bah si, normalement, ils peuvent passer. Mais vous faites quoi? Ah oui, d'accord. Bon, ok. On va dire que c'est à nous de passer à l'action, là. J'ai combien? J'ai 10, je trouve. On sera 16, on aura 10 cas de moins qu'eux. C'est une province montagne, on sera en défense. Niveau stratégie, j'ai vu mieux, les gens. Ramène-en d'autres. Ramène-en d'autres. Bon, on va faire comme ça. On sera plus proche pour le débarquement. Par là, toi. Alors, on peut construire des choses. Production, point 9. Impôt, point 16. D'accord. Commerce. Ouais, je suis pas fan. Armée. Ouais, pour le moment, ça va. On va plutôt faire ça. Voilà. Un ici, c'est très bien. Mince. Construction. Voilà. Annule-moi ça, je suis pour ça 100%, voilà. Donc je vais faire ma mission pour avoir coût de construction et durée de construction moins 25%. Donc, hop, oui, gloire à moi. Et maintenant, on va prendre ça. Voilà, ça va coûter quand même moins cher. Et ça prendra moins de temps. Du coup, ça, comme c'est notre une nouvelle province, oh oui, je prends plus 2, grosso modo, donc oui, carrément, on légitime tout ça pour 69. Ça fait peu pour, ouais, voilà, bien ce que je pensais. Voilà, ça va tomber, ça, c'est super. Mais non, mais, please, annule, je t'ai dit, toi, maintenant, t'es là, voilà. Prestige annuel plus 1, puissance administrative moins 10, ou autrement 5 de prestige. Déjà ça. Moins 5 de prestige, ça m'ennuie un peu. On aura un bon prestige. Pour 20 ducats. Oui, allez.
Allons-y. Bon là, les murs sont tombés, c'est quand même bien. Prendre le risque. Voilà, c'est ce que je pensais. Et on prie Dara. Ils se séparent, ils vont attaquer les autres. Il va se passer ce qui se passe à chaque fois. Attendez. Il y a ça que je voudrais voir. Je peux passer par... C'est du foutage. Ils se foutent de moi, les Castillans. Bah ouais, tu vas te faire dégommer, là, ouais. Vas-y, sûr que ça, au final. Bon. Ok, on va faire ça. Attachez-vous à moi, s'il vous plaît. Soyez intelligents. Fez, c'est quoi comme type? C'est des montagnes? Non, c'est... Non, ouais. Danger, ça, c'est mauvais. Et ça, c'est très mauvais. Donc, on va aller à Danger, mais on peut pas y aller. Mélina, on peut pas y aller. Donc, on rebrouche chemin. Oui. Les clercs perdent 10 de loyauté, moins de 10 d'influence sur le pape, sinon ils gagnent 10 et 15 de prestige. Alors voilà mon prestige décidément. Bon après ça sur le pape ça me donnerait quoi? Parce que là ils sont à combien les clercs? Ils sont à 59. Même haut hein. Non allez-y, on va capitaliser là-dessus, c'est pas grave. Et là, qu'est-ce qui se passe, en fait, si je reste ici, in fine? Parce que là, le Portugal est en guerre contre le Maroc. Mais... Bon, je vais leur blinder... d'ordre. Parce que là, je commence à ne pas en avoir ras la casquette. Le Maroc ajoute moins 25 à son réseau d'espionnage en Naples. Oui, je prends. Bon là, ça donne quoi le siège? Allez, je te file mon général. Ah non, il a même pas de... Siège mon général, oui bon, en fait, reste tout est... Après le Maroc étant faible. Je sais pas du tout où sont les autres troupes marocaines. Esprit de corps. 3 de professionnalisme de l'armée. On prend. Donc là visiblement, il reste à ce niveau-là. Les gars, restez ici. Moi je sais pas grave, je fais un blocus sur votre pays. Il y a peut-être quelque chose que je fais mal, hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, si j'oublie, exemple, permettre aux alliés d'embarquer, si on fait ça déjà. Donc, voilà. Embarquer ou pas? Donc en fait, ton délire, c'était juste... prends-moi ça, prends en grenade et puis on s'arrête là. Et nos réserves militaires sont un peu dans le mal. Bon, on en regagne. C'est juste là, on est en train de prendre de la dévastation gratuitement. Voilà, là, ça peut être intéressant de faire un move, de bouger. Voilà, peut-être... Ah, ils attendaient que ça soit libéré, cet art. Ok. Non. Bah, on va aller à Fès. C'est pas grave, ça me gêne pas de poser mes fesses à Fès. Mauvais plan, mauvais plan. Général 2 étoiles les gars. Ça pourrait presque passer si j'avais fait un... Après le Maroc étant faible, là ça va commencer à être la fin des haricots pour eux. On pourrait prendre la tech, on va pas la prendre tout de suite.
On va peut-être développer le pays. Je pense que c'est une très bonne idée, puisque en plus de ça, ça nous fait monter nos points de développement. Non, pas exploitation des provinces. C'est bien tout le contraire. Voilà. Alors, ici... le plus rentable... au niveau de dev, voilà. Le plus bas, du coup, c'est ici. 60 points. Moins cher. Barry, c'est... ok, on va faire comme ça. 1, 10, 10... voilà. On a 500, c'est bien. Peut-être niveau diplôme maintenant, comme on a des points. 0,7, c'est pas tip top. Ouais, de toute façon, c'est le max. Le moins cher, c'est qui? C'est Salento. C'est le cuivre qui a augmenté quand même. Si je augmente là, ça fait 0,6. Bon, allez-y. On va développer ça. 10. Ça coûte 60. Encore un petit coup. Voilà. Ben voilà, ça augmente. Progressivement, mais ça augmente. Je sais pas si ça passera à Fès, hein, franchement. J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Alors, hop, reviens. J'étais revenu à fond avec la France. J'ai pas lu, autant pour moi. Et constituer un réseau d'espionnage, voilà. On va commencer par là. Après, dans un sens... ah, oui, c'est bien, ça les fait même plus venir. Alors, où tu vas, toi? Est-ce que je peux aller là? Non, c'est pas grave. De toute façon, j'ai l'Espagne qui est juste à côté, donc en cas de pépin, ils sont là. On a combien de traditions? On a 35. Ouais, c'est pas... c'est pas fou. Mais j'ai bien envie de tenter un général. Giuseppe. Bah voilà! Voilà un mec de deux en siège. Voilà l'homme de la situation. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ça, sélectionner l'armée. Tu back toi. Tu prends un général digne de ce nom. Voilà, deux de siège. Voilà, à mon avis. Le problème va être résolu. Je garde toute mon armée là alors que je suis vraiment pas obligé, mais comme je sais pas où ils traînent les Marocains, ils se baladent à droite à gauche. J'ai vraiment pas envie de prendre le risque. Nos réserves militaires, ouais, on en gagne 207 et on en perd. Ouais, ça stagne. Mais non, mais... on peut passer maintenant ici ? Mais voilà. Bon, c'est peut-être pas la meilleure stratégie que j'ai pu faire, mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie de prendre Telsem, parce que j'ai dit que c'est que je la voulais pour moi, de mémoire. Parce que si je l'ai pas, ils vont pas me la filer. Et je préfère laisser les... les... comment ça s'appelle? Les Castillans ou les Aragonais faire le travail à ma place. Ok, alors. Moi, ce que je veux... c'est mon pays, c'est ça, et j'ai dit que tout ça m'intéresse. Ok, le compte est bon. Je veux ça. Je sens ma flotte au cas où. Voilà, et c'est bien moi qui fais le siège là. Non, c'est le Portugal. Oh non, le mauvais move par définition, quoi. Eh ben... je me casse alors, hein. Le Portugal il va le faire tout seul son siège. Je vais prendre des... ouais, tu vas vraiment le faire tout seul ton siège. Moi je retire tous mes bateaux, tu te débrouilles. Je vais aller prendre ces provinces là. Je participe à combien à l'effort de guerre? Bon, 27% ça va. Si j'avais pris la capitale, c'est sûr que ça aurait pas été la même chose. C'est vrai, c'est un mauvais move de ma part. Soulèvement à Venise. Et là, voilà, on y est. On y est. Des... what? Ok. Il y a des... des personnes de Grenade qui sont à Trévise. En mode no stress.
Bon, après, je pourrais les faire venir ici, mais... Ouais. Ils arriveraient où? À Trévise. Ouais. Ils seraient combien? Ils seraient 11K. Ah, il me le donne, ça. Ça, c'est très bien. Mais ça, le... Bon, bref. Voilà. Ça va tout avoir. Naples connaît une famille marchande influente en Alexandrie, plus 10 de puissance commerciale, sinon un négociant, plus 10 d'efficacité commerciale. Non, clairement on va prendre ça. Surtout que niveau commerce, on tire vraiment vers Gênes. Ici c'est bien, ici on collecte. On collecte combien? On collecte 1. Et ici on gagne combien? 3, ouais. J'ai vraiment pas envie que le Portugal ait ça. Remarquez, si le Portugal a ça, ils sont alliés à personne. Donc une guerre contre le Portugal pour récupérer peut-être toute cette zone, ça serait pas négligeable. Neckness, non, tu veux pas. Alors, le plaisir de la chair. C'est un philosophe qui couche avec la reine. Oh là là, j'aime pas ça, moi. J'aime pas les histoires d'infidélité, attention. Donc oui, moi, oui, c'est en plus c'est lui, donc on dit rien, on perd de l'argent, agitation, autorité pontificale va survenir. Après, la reine consort, elle est vraiment mauvaise, hein. Ah, elle a plus de puissance de missionnaire, on dira, mais bon. Non, on va faire ça, et puis c'est tout. Bon, on va piller les régions, hein, ça nous fait toujours ça de prix. Le Portugal, du coup, il est en train de gagner sa guerre, non, même pas. Parce que son pays est à moitié assiégé. Et ça, c'est... C'est vraiment un mauvais move de ma part, hein. C'est pas grave. Là, du coup, je participe à 36%. Oui, bah là, j'aimerais bien qu'on me donne des choses, quand même, hein, ça sera abusé. Non, on va se douter. On peut peut-être prendre la nouvelle technologie. Non, bientôt, tout bientôt. Ouais. Je sais pas s'ils vont me le donner, ça, du coup, les... Attention, là il faut y aller mais instantanément. Pourquoi tu veux pas? Passe par là. Non, tu veux pas? Ah non, non, ça. En sortant du coup de la zone de fort, ouais. Ok, en fait là je suis bloqué, je peux aller partout, nulle part. Bon, ok. Bah, arrive là, écoute, hein, c'est ce que je te dise. Ça donne quoi la révolte ici? Coup de répression implacable, c'est pas grave. Voilà. On va attendre ici. Et si j'entre là, et que je vais là après? Et c'est quoi ce bug? Les nobles, modification locale d'un... national d'impôt moins 10, non, hors de question, ou... Ah là là, il gagne combien au niveau des impôts? Ouais, moins 7, ouais, allez, ça garde 10, et puis... Et la réponse est oui pour ça. Bon, ils sont en train de dessiéger, ce qui est très bien. En train de me faire de la dévastation en plus ces mecs. Ouais, bon, pour ce qu'ils m'en font. Hein. J'ai combien en garnison là? J'ai 2000 hommes. J'ai presque envie de sortir la garnison. Juste pour voir ce que ça fait. Ils sont au niveau combien de tech grenades? Ils sont niveau 5, on est niveau 6.
Ils seraient en descente. Ouais, ça franchement. Et ils ont un enthousiasme de... On va voir. Grenade, ils ont combien d'enthousiastes de guerre? C'est où? C'est là. 3-7 quand même. 3-17. Non, bah j'ai pas envie de payer 9 pour que ça serve à rien. Ah, cet emprunt... Oui, on rembourse. Un Napolitain paye toujours ses dettes. Voilà. Voilà, ça c'est bon, on n'en parle plus. Et on va peut-être construire quelque chose. Je disais construire quelque chose. Ici, donc production point 13. Non, impôt point 12. Donc on va peut-être faire... Bah on va peut-être faire un coup en armée. Voilà, plus 1000 hommes. Surtout vu dans les cas... Vu nos réserves, ça ne nous fera pas de mal. Chasseur chercheur désintéressé, 40 points de puissance de dirigeant partout. Super. Je vois à mon compteur qu'on en est à 30 minutes. Alors j'espère que cette guerre... cette guerre vous plaît déjà, et cet épisode vous a plu, et que cette série de manière générale vous plaît. Moi je l'aime bien, c'est la première fois que je joue Naples, et j'avais déjà joué un autre pays, un autre état italien, Florence notamment et Milan. Mais là c'est assez intéressant puisqu'on peut s'étendre assez rapidement, parce qu'on est quand même assez, assez gros, mais on peut pas s'étendre comme on veut avec... comme on souhaiterait étant donné que Saint-Empire romain... oblige. On était vraiment bloqué un moment, mais là c'est en train vraiment de se décanter de manière générale. Si on peut récupérer une petite province genre Telsem en plus, qui est pas spécialement dégueulasse, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Enfin bon. Donc je vous dis à plus les gens.